Waouh. Qui êtes-vous? Ah. Oula. Oula. What? Passage secret. Ougi ougi. Oui. Où elle est? Ça fait zigzi. Oui oui. Ah. Oh oui. Ah, ah. Je suis caché. Oh, il y a la poupée de la nonne. Non mais va-t'en. Oui. Elle est là, regardez. Ah, ah. Non. Ah, mais on a des vides. Ah là 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 là. On va se calmer, ma mère, hein. Ah, c'est moi la nonne. Un énorme merci à tous mes soutiens et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Super Max Family. Merci du fond du cœur. Hey! Comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Max et bienvenue dans mes délires. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour faire une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons retrouver Evil Nun, mais pas n'importe quel Evil Nun, puisque nous allons faire Roblox Evil Nun, un Roblox spécial Evil Nun. Et c'est la meilleure version. C'est même une version que les développeurs eux-mêmes d'Evil Nun ont déjà fait. Ça va être cool. Je vais même essayer d'être la nonne et vous allez voir qu'à la fin de la vidéo je vais enfin réussir et je vais me venger. Je vais les frapper. En tout cas vous allez voir que le jeu est super bien fait. Il reprend vraiment bien les maps d'Evil Nun et les objets. Drôlé et un petit peu effrayant quand même. Mais avant de commencer à jouer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter ceci. C'est un SSD interne pour PC, pour PC de bureau, PC gaming. C'est de la marque WD Black. Je vous avais déjà montré le disque dur SSD que j'adore, que j'aime beaucoup. Je m'en sers tout le temps pour transférer mes vidéos, notamment du PC au Mac, là où je monte. C'est un disque dur externe, portatible, branché en un seul câble USB-C. Très rapide puisque dedans c'est du SSD. Le SSD c'est le disque dur le plus rapide qui existe actuellement. Et en plus ceux-là ils sont vraiment faits pour le gaming, avec des transferts de dingue. Et ça, eh bien c'est une barrette SSD pour mettre dans l'ordinateur. Ça peut aller jusqu'à 7000 mégabits par seconde, donc 7 gigas, c'est énorme. Ça va super vite, mais en même temps, c'est fait pour le gaming. C'est la référence SN850 NVMe SSD. Et ça, c'est la version avec le dissipateur de chaleur, puisque le SSD, comme ça, peut générer de la chaleur. Et là, il y a un modèle avec le dissipateur de chaleur, donc ça permet de refroidir et d'avoir de meilleurs transferts, une meilleure vitesse de transfert. Il y a 1 Tera ici, mais c'est disponible en 500 gigas, en 1 Tera et en 2 Tera. Il existe un modèle également sans dissipateur, mais moi j'apprécie ce modèle là déjà parce qu'il y a le dissipateur, donc les performances sont meilleures, mais en plus parce qu'il y a une petite LED customisable ici qu'on peut customiser avec un logiciel sur le PC directement. Je vous laisse deviner quelle couleur je vais mettre, hein. Voilà, la marque WD Black, ça appartient à Western Digital. Je remercie d'ailleurs WD Black et Western Digital de m'avoir envoyé ce SSD pour le tester. On va l'installer ensemble. C'est garanti 5 ans pour PC de bureau, hein. C'est pas pour PC portable, je précise. Le packaging est tout petit, c'est normal parce que c'est tout petit. Bon, on va l'ouvrir tout de suite. À mon avis, ça va être comme ici, en métal. Regardez ici, c'est très solide, très robuste et en même temps, c'est très petit. Hein. Ça tient dans la main. Hop, disparu. Oui, ne vous inquiétez pas, ici, je me suis fait une petite coupure, mais c'est pas grave, j'ai mon petit pansement Star Wars, C3PO. Il me protège. On n'est pas geek jusqu'au bout des doigts, nous. Alors, quand on ouvre la boîte, quand on déballe, eh bien, on tombe sur ceci. Le disque dur SSD qui est juste ici. Et c'est bien comme je pensais, c'est vraiment. Il y a une vraie ligne. Ça ressemble vraiment à celui-ci, mon petit. C'est pas du tout les mêmes produits, hein, mais c'est trop, trop mignon. La LED, juste là, c'est le petit truc ici, blanc, là, transparent. C'est un peu épais, mais c'est parce qu'il y a le dissipateur de chaleur, donc ça permet d'avoir de meilleures performances. Et vous avez la documentation ici. Alors maintenant direction le PC pour installer la barrette SSD. Ouh. Alors nous voici à côté du bureau, hein, bureau Genesis, je vous l'avais montré, bureau gaming. Ça c'est mon casque Audio Technica que j'aime beaucoup. Mon PC, il est là. C'est rare que vous le voyez comme ça, mais voilà, il est comme ça, très joli. On va l'ouvrir. J'ai un petit bouton à l'arrière pour ouvrir la paroi ici. Je vais le faire à deux mains, même si ça tient tout seul, hein, mais il faut que je l'enlève pour accéder à l'intérieur du PC. Et voici l'intérieur de mon PC. Il faut que je l'installe ici, ça c'est la carte graphique. Pour l'installer, il faut que je dévisse ici. C'est parti. J'ai enlevé le cache. Maintenant, il suffit juste de venir brancher le SSD ici, de les mettre dans les petits slots comme ceci. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre la petite vis ici. Ça y est, j'ai fixé la petite vis ici. C'est bien branché. Je vais l'allumer. Let's go. Donc ça y est, j'ai démarré mon PC, formaté le SSD. Avec Windows, c'est très facile. Il est là, le SSD WD Black. J'ai mis en E. C'est normal, hein, si vous n'avez pas un Tera complet. Je vous conseille également de télécharger le logiciel Western Digital Dashboard qui vous permet de contrôler, vraiment paramétrer, de faire les mises à jour de vos SSD, que ce soit interne ou externe, WD Black ou Western Digital. Vous le voyez d'ailleurs, il me propose déjà une mise à jour de la barrette SSD. Donc j'y vais, je mets à jour, on continue. C'est très rapide, je suis passé de 0 à 100%, nouvelle analyse et bim, c'est bon, c'est vert. Donc il a reconnu tout de suite le modèle, tac tac tac, plus heating, c'est le dissipateur de chaleur. Regardez, RGB, là pour l'instant c'est orange, et si je clique sur bleu, mais oui, il est bleu.
comme le reste de mon PC. Regardez, j'ai mis une lumière bleue en haut. Et je vous rappelle que c'est également la couleur de mon clavier. Zuber, j'enregistre. Voyez, on peut faire une respiration également. Eh bien, ça respire, hein, regardez. Ça s'allume. Et puis ça s'éteint. Et puis ça s'allume. Le mode stroboscope. Et ça, c'est vraiment si vous faites la fête, hein. Moi, je vais laisser sur statique. Le mode jeu améliore les performances du disque dur pour les charges de travail de jeu. Je vais le faire. Ça va redémarrer le système. Et sur le tableau de bord, eh bien, vous pouvez voir que vous avez même le contrôle de la température du SSD, la durée de vie restante. Vous avez également les performances, hein, la rapidité, les outils et les paramètres. Quoi de mieux qu'un petit test, hein, de transfert pour vérifier la rapidité? Donc ici, j'ai un fichier qui fait 19,5 gigas. C'est une vidéo MP4. Je vais la transférer directement sur le SSD WD Black. C'est déjà sur un SSD, hein, donc c'est d'un SSD à un autre. Je prends, je mets, attention, rapidité. Non mais regarde, what? Regardez-moi ça. Tac, 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 tac. Et bim! Ça a mis quelques secondes, hein. 19,5 gigas transférés en 5 secondes. Ok, c'est génial, c'est incroyable. Regardez la vitesse, là, dans le logiciel, on peut voir la performance. Écriture disque, c'est monté. Là, c'est monté tranquillement jusqu'à 2000, alors que ça peut aller jusqu'à 7000. Je suis bluffé, hein. À la rapidité, c'est complètement dingue. Pour résumer, c'est un SSD hyper rapide, vraiment fait pour le gaming, mais vous pouvez également vous en servir pour la bureautique, hein. Il n'y a aucun problème, c'est un SSD très performant, très puissant. C'est le WD Black 1 Tera. Vous retrouvez de toute façon le lien dans la barre d'infos dans la description, je vous mets les liens vers ça, mais je vous remets également le lien vers, eh bien, le disque dur portable externe, qui est pratique si vous voulez partir, c'est solide, c'est robuste, hein, pour vos parties, chez les amis, en famille. Merci encore WD Black. Et maintenant, il est temps de lancer quoi? Le générique. Merci grand comme ça pour tous vos commentaires sous mes vidéos. Et d'ailleurs, il est l'heure de lire 3 commentaires d'une vidéo précédente. Et il s'agit de 3 commentaires venant de la vidéo Granny, dans laquelle je relevais le challenge d'utiliser tous les objets, débloquer les 2 sorties différentes. Le premier commentaire vient de Jade et Tyr qui me dit: je t'adore Max, est-ce que tu pourras rejouer à Evil Nun? Ça fait longtemps, sinon je t'adore. Justement, ça tombe bien. Aujourd'hui, nous allons faire Evil Nun dans Roblox. Et pour les vrais Evil Nun, entre guillemets, pourquoi pas? En tout cas, moi j'attends surtout la version PC, le jeu Broken Mask, qui est en développement. Ça, c'est sûr que je le à sa sortie. Pourquoi pas refaire à un moment donné Evil Nun 1 ou Evil Nun 2, bien sûr. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Merci à toi. Le deuxième commentaire vient de Maxence Meunier qui me dit: tu es le meilleur. Tu pourrais faire Ice Cream 4, s'il te plaît. Dans chaque vidéo, tu me donnes du bonheur. Et bien, ça me fait super méga plaisir. Merci à toi. Pour Ice Cream 4, et bien sûr, je le ferai. Bah, dès qu'il est sorti, hein, c'est-à-dire en mai, voilà, dès qu'il est dispo, paf, je le télécharge, j'en fais une vidéo pour vous et on s'amuse ensemble. Et à mon avis, la première vidéo, ça va pas être facile. On va découvrir le jeu, mais bon, voilà. En tout cas, vivement qu'il sorte. Et le troisième commentaire vient de Hiro-san qui me dit: t'es le super héros de mes journées. Question: Team Popcorn sucré ou Popcorn salé? Bien, je ne sais pas si je suis un super héros, mais en tout cas, merci à toi. Je suis les deux en fait. Quand j'étais petit, j'étais très salé. Après, je suis devenu sucré. Maintenant, j'aime les deux. Donc, ce que je fais quand je vais au cinéma, enfin, quand j'allais au cinéma et que je demandais du popcorn, je demandais un mélange des deux en fait dans la boîte. Comme ça, quand je suis pendant le film, eh bien, je sais la surprise à chaque fois. Je ne sais pas si j'ai du sucré ou du salé parce que je mélange un peu les popcorn. Team les deux en fait. Hein. Comme même pour tout dans la vie, j'ai du mal à choisir. Donc, en tout cas, merci pour ton commentaire. Merci à tous les autres commentaires. N'hésitez pas à en laisser un maintenant ou à la fin de la vidéo si vous voulez être sélectionné pour une prochaine lecture de commentaires. Maintenant, on va aller s'installer dans l'espace gaming pour retrouver notre cher non psychopathe préféré dans Evil Nun Roblox. Alors suivez-moi, let's go. Ouh, ça y est, je suis assis et l'ourson aussi, il est juste là prêt à retrouver Evil Nun dans Roblox. Alors j'avais fait Evil Nun sur Roblox il y a très longtemps, donc depuis, à mon avis, de grosses mises à jour, des grosses nouveautés, et c'est peut-être même pas le même. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vais jouer sur PC à la manette, toi tu vas m'accompagner durant cette belle aventure drôle et effrayante à la fois. Et tu laisses dès maintenant un max de pouces bleus, je compte sur toi pour cliquer et exploser le compteur des pouces bleus. Ça fait super plaisir, merci à toi. C'est parti, let's go! Ouh, nous voici dans l'écran d'accueil du jeu Evil Nun sur Roblox. Écoutez la musique. C'est la même musique que dans Evil Nun. Les tableaux, c'est les mêmes que dans Evil Nun. Je sens que ça va être sympa. Regardez, il y a la nun psychopathe là en mode Roblox. Elle est toute mignonne, mais quand même, elle fait flipper avec ses dents. Là. Et puis elle a le masque, hein, et puis surtout son gros marteau dans les mains, prêt à nous frapper. Apparemment, il faudra trouver des objets, un peu comme dans Granny. Regardez, on voit des cadenas jaunes, bleus. Il y a des boutons, il y a des trucs, etc. Alors en attendant, on va aller voir vite fait dans le shop, voir si on peut acheter des choses. À mon avis, pas grand chose parce que voilà, il faut des points. Je n'ai pas de points. D'accord, c'est pas grave. Dans le shop de la nonne, on peut acheter des armes. Oh, on peut acheter de la viande. C'est sympathique, une arme viande. Une arme bonbon. Ok, bah, bah, bah. Dans les réglages, qu'est-ce que nous avons? Menu, rouge bouton. Ok, on va faire play. C'est parti. Alors apparemment, je peux pas jouer à la manette. D'accord. Et ça y est, j'ai compris comment on avance. Ok, alors je vais me lever, voilà. Waouh, c'est vachement bien fait, hein. La maison... On dirait vraiment, regardez. Et là, on a... Oh!
Tip Dip 989. Coucou. Coucou, coucou. Je ne sais pas qui tu es. Je découvre le jeu, hein, voilà. Donc là, il y a le truc, là, pour faire le sacrifice. Donc là, il faut une clé. Bon, on aura plus le temps, hein, on arrive au bout d'une partie. Oh ouais, c'est le hall. Regardez, ici nous avons... Ah, c'est quoi ça? Pourquoi il y a... Ah ouais, l'ange, c'est vrai. Ici. Ok. Donc je prends l'acrobarre. J'ai l'acrobarre, regardez, je peux frapper. Bim. Ah, j'ai laissé tomber l'acrobarre. Bonjour. Qui êtes-vous? Ah, oula. Pourquoi Vilnon allait tomber? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, je ne comprends rien. C'est le début. Ah, on peut voter. Old non-school, new non-school. Et on va faire en sorte que c'est un boat. On commence. Déjà, il faut trouver des objets. Oula. Oula, 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 oula. Oula, on s'en va. On s'en va. Parce que la nonne allait arriver là, elle était pas contente. Je m'en vais. Voilà, je peux passer par là. Oh, il y a trop d'objets là. Wouh! Alors, j'ai activé un levier, mais ça n'a rien fait, étant donné que j'ai besoin du câble. Il faut se souvenir du vrai Evil Nun, hein, parce que, effectivement, je pense que ça reprend les énigmes. What? Qui c'est? Il y a quelqu'un qui s'est fait frapper. Ok, elle est énervée, la nonne, là. Vous avez vu comment elle a couru? Elle fait flipper, quand même, hein. Bon, je crois que je suis le dernier, là, non? Qu'est-ce qui se passe? Faut fouiller tous les lockers. Ah, mais il y en a beaucoup, hein. Je sais pas où elle est, ça me fait flipper. Faut passer par là, mais je peux pas. What? Oh non! Ah, j'ai ça. J'ai l'acrobat. Ah, est-ce que je peux... Oui! Alors, je peux aller là. Oh, je suis dans le passage secret avec des toiles d'araignée et tout et tout. Ah, d'accord, je suis coincé. Bien. Ok. Là, normalement, l'acrobat ouvre un truc secret. Et c'est peut-être dans les autres toilettes, il me semble. Je crois que c'est... Attendez, c'est pas les autres toilettes, ça? Mais je comprends pas, tout est à l'envers, alors. Parce que les autres toilettes étaient à côté! Ah non, là-bas. Peut-être que... Ah non, là, je peux pas. Donc, en fait, ça ressemble, mais c'est pas exactement comme l'autre. Hein. Ils ont pas pu reproduire exactement la même école, le même orphelinat, là. Donc, voilà. Il faut redécouvrir la map. Réapprendre les objets. En tout cas, pour ouvrir les portes, c'est facile. Bon, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok, c'est pas grave. Et là, c'est fermé. Ougui, ougui. Ougui, ougui. Nous allons avancer. Est-ce que je peux aller à l'extérieur? Nope. À quoi sert l'acrobarre? Bien. Eh bien, on est obligé d'aller à un autre endroit. En plus, on a un timing. Il reste 5 minutes 50. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que je suis, à mon avis, un petit peu seul. Il y a la nonne. Bonjour, les portes qui s'ouvrent. Alors là, je ne peux pas utiliser ça. J'ai besoin de clés. Très bien. Là, eh bien, qu'est-ce qu'il y a ici? Rien du tout, il n'y a pas de clés. Alors, on va aller par ici. Ah, attendez, je peux pas enlever. Attendez. Oui, j'ai enlevé des planches, je suis content. Mais il y a des barres. Je suis pas content. Bon, bah écoutez, au moins on a fait ça. Je garde ça dans les mains, hein, ça peut servir. Mais par où je suis venu, moi? Parce que là, je... Ah oui! Il y a un endroit avec un escalier! Là! Non! Bah là! Plutôt là... What? Ah, il y a d'autres gens! C'est bon, je suis rassuré, je suis pas tout seul. Bonjour! Coucou! Coucou! Bon, c'est pas grave, on va aller par... What? Accroupis-toi, va-t'en. Elle m'a vu, je crois. Elle m'a vu, du coup... Ah, c'est fermé. Ah! Je sais pas où elle est, ça me stresse. Ouh, je crois qu'elle m'a vu, elle a fait le petit bruit là de mode, je t'ai vu. Où elle est? Je peux me cacher là? Ouais, mais bon. Ouh, j'entends son... Elle est pas loin! Ouh, c'est quoi ça? Oui, j'ai la câble! Il faut que j'aille en bas. Il faut que je retourne en bas. Eh bah, par là. Oui, par là, regardez. J'ai débloqué, et bim, je suis en bas, coucou! Oh non, je suis du mauvais côté! Mais non! Et comment je fais, moi, maintenant? Parce que... Ah, on peut remonter, très bien. Heureusement, il y a Findus. Allez, on redescend et je vais placer le câble, oui. Les filles là-bas, elles font rien. Elles sont assises sur une table et elles attendent. Bien, donc, je prends le câble. Est-ce que... Oui ! J'ai remis le courant ! Vous avez entendu, ça fait zigzi. Bon, bah c'est bien. C'est très très bien. J'ai mis le courant. Et normalement, je peux passer là où il y avait les filles. Parce qu'il y avait... J'ai entendu la nonne, là.
Voilà, c'est beau. Non, parce que j'ai vu un truc rouge. Normalement, ça va devenir vert. Non? Attendez, c'était où? Là! Fallait pas utiliser... Ah bah non. Gate. Ah, oh, il faut une keycard! Oh, oui, oui! Bon. Bonjour, vous, ça va? Bon. J'espère que vous avez pas pris d'objets dont j'ai besoin, hein, merci bien. Bah écoutez, hein, faites bien dodo, hein. Le but, c'est de sortir quand même, hein, c'est pas de faire une sieste ici. Alors, maintenant que j'ai... Ah, mais oui, le bouton de porte en bas. Attendez, attendez, il faut que je retourne en bas. Ouh! Ouh là 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 là! C'est bon. Où est-ce qu'il est, le bouton de porte? Je crois que c'est... Attendez. Là-bas. Là-bas. Parce que vous vous souvenez du bouton qui ouvre les portails et tout? Ça, là. Oh oui! J'ai débloqué tous les portails! Ah, I'm trop content! Regardez, du coup, je peux aller dehors! Oui! Ah! J'ai besoin d'une pelle. Très bien. Alors, je n'ai pas la pelle. Je n'ai pas la pelle. Et non pas la pelle. L-A. Enfin, bon, bref. Je vais faire un jeu de mots bidon. Ce n'est pas grave. Ah! Oh là 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 là! On va se calmer, monsieur, hein! Vous m'avez fait extrêmement peur. Bon. Elle s'énerve, là. Where are you? Where are you? Je ne suis pas là. Ah! Oh, il m'a fait peur. On dirait un monstre aussi, lui. Bouh! Oh, qu'il est vilain. Oh, qu'il est vilain. Bon, bah, par là, c'est fermé. Il y avait d'autres portes qui étaient verrouillées. Je sais plus. C'était... Bah, là, c'était verrouillé. Là, c'est une salle de colasse. Je crois que celle-ci était verrouillée. Non? Alors, l'autre, l'autre. Ah ouais, c'était celle-ci. Ah oui, oui, voilà, c'est là. Donc là, on peut prendre le balai? Non. Bah, pourquoi c'est... Ah! Ouh! J'ai pris la tête de chèvre pour faire le sacrifice. Très bien. On va faire un petit sacrifice. Y a pas d'objet, là? C'est quand même bizarre. C'est quoi, cet endroit? Oh, y a pas d'objet. Il n'y a... Ah! Il a pris la tête de chèvre aussi. Il m'a fait... Mais lui... Bon, on va s'en aller de lui parce que sinon je vais finir par faire une crise cardiaque. Oh, c'est pas le but, ce n'est pas le but. Est-ce qu'il a la... Oui. Oh! Je suis caché. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, mamie? Hein? Elle est là? Vilaine, elle est montée là. Je m'en vais par là. Je m'en fiche. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon, bonjour. Ah, c'est fermé. D'accord, au revoir. À mon avis, on n'a plus le temps, hein. 53 secondes, c'est un petit peu limite. Je ne sais pas où mettre la tête de chef. Je ne sais pas où sont les clés. Alors là, on a une chambre. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on n'a rien. C'est très sympathique de n'avoir rien du tout. Ici, nous n'avons rien du tout non plus. Bon, bah, cette chambre ne sert à rien, décidément. Alors par contre, s'il fallait fouiller tous les lockers, mais oui, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Hein? Bonjour! Très bien. Quelqu'un s'est fait frapper. Restons calmes. Là, y a rien. Ah, c'est quoi ça? Bonjour! Vous croyez que je peux y aller? Ah non, mince! Chaussure tombée en bas. Bon, bah, de toute façon, c'est pas très grave, hein, puisqu'on n'a plus le temps de finir, hein, donc... L'un dans l'autre, tant mieux. J'aimerais bien qu'on choisisse une autre map, et puis, à la fin, bien sûr, on essaiera d'être nous-mêmes Evelyn. Ah! Elle est là. Bonjour! Ça va, Evelyn? Bon, bah, écoutez, elle est partie, hein. Play! C'est parti, je vais choisir... Ah, il y a d'autres cartes! Eh bien, écoutez, on va choisir la maisonnée. Ok! On se prépare, let's go! Il reste 8 minutes! D'où il reste 8 minutes? Ah, il y a la poupée de la nane! Que j'ai, hein, bien sûr, vous le savez. Ah! Il y a la nane qui est là derrière moi! Oh! Pourquoi moi? Va-t'en! Va-t'en! Oh là là! C'est bon! J'ai la crowbar! Ouh! Ouh! J'ai la clé! J'ai le marteau! Ouh! Bonjour! Ok, on va aller à l'étage. Pardon, merci, bonjour. Alors, là, c'est fermé. C'est normal ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est quoi? L'acrobat. Ok, je l'ai déjà. Alors, oui, il a déjà cassé ça. Ah, il y en a, ils vont vite, ils ont tout fait. Oh, calmez-vous dans les bois. Hein. Laissez-moi aussi faire des petits trucs. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est la maison... Ah, safe key. La clé du coffre, ok. Et où est le coffre? Hein? C'est peut-être sympa de nous le dire. Ça, c'est le locker. Non, mais il y en a, ils connaissent tout par cœur. Ils ont été super méga vite au début. Là, j'ai rien compris. J'ai 4 objets. Ah! Elle arrive!
Non. Ah, attendez, safe key. Mais c'est les safes, ça, on dirait des coffres. Quoi? Oula, quelqu'un s'est fait frapper méchamment, là. On va s'en aller, hein. Voilà. Voilà. Partons. Oh, elle est là. Oup, 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 oup. Est-ce que je peux aller là? Ouloulouloulou. 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 Je suis où, là? Dans une prison? Ah, le coffre master key. D'accord. Ça veut dire on peut partir? Youhou. Oh. Elle est là. Heureusement qu'elle m'a aidé à trouver la cachette. Ah. C'est bien, elle s'en va. Non mais va-t'en. Elle veut pas s'en aller, la vilaine. Bon, elle s'en va pas si vite que ça. Attendez, je peux prendre le gros marteau et frapper? Non, je peux pas. Non mais elle est... Sérieusement, là? Oh. Oh! Elle est où la sortie? Elle est là! Oui! Je suis sortie! J'ai eu 20 points! Oui! Allez, va prendre la voiture! Dans les sables mouvants! Ça sert à rien! Oui! On a réussi! Et ça, c'est bien. Oh non, c'est le mode spectateur! Classic school, classic school! Classic school! Classic school, et il faut que ce soit un joueur. Mais bon, si c'est pas moi, c'est pas grave. Oui! C'est qui la nonne? C'est pas moi. Bon, bah écoutez, regardez. C'est exactement... Ah! Elle est là, regardez. Regardez! Elle est là! Et elle ressemble vraiment à la nonne. Ah! Oh, oh là là! Bon bah heureusement, ici on connaît la map, hein. Ok, on connaît, mais... pourquoi? Pourquoi tant de haine? Il y a un livre. Et pourquoi tant de haches? Ah, drôle! Là, il y a rien. Je sais pas où elle est. Ça me stresse, elle est là. Ah! Vite, il faut aller à la cuisine! Trouver le câble! On connaît cette map! Allez, attention, on y va! Oui, on est dans la cuisine! Alors, on ouvre, y a rien! On ouvre! Ah non! Ah! Non! Mais d'où? Ah, mais on a des vies, c'est vrai! Oh ouais! Oui! On a 4 vies! Comme dans le vrai jeu! Je peux donc continuer l'aventure! Elle est où? Non mais faut qu'elle se calme, hein. Ah la, 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 la. Je m'en vais par là. Je m'en vais. Quoi, elle est... Ah, elle est derrière moi. Mais pourquoi moi? Mais j'ai rien fait, moi. Je suis gentil. Vite. Vite. Monte. Monte, monte, monte. Par là, par là, par là. Par là. Voilà. Dépêche-toi. C'est bon, elle a eu quelqu'un d'autre. Ouvre. Faut que je trouve le câble. J'ai le câble. Elle est là. Elle va venir par là. Oh là 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 là. Oh. C'est bon. Attends. Faut que je mette le câble. C'est bon, j'ai mis le câble. Oui. J'ai mis l'électricité. Vite, je vais activer le bouton. Oui, ça y est. Ça y est. Ça y est. Attends. Ok. Tout le monde est là, tout le monde est là. Bon bah c'est bien. Allez, on y va. Moi j'ai ouvert les portails. Je vais pas comme vous, je vais pas attendre ici. Moi j'y vais, j'y go. J'ai pas peur de rien, on y va. Allez, on visite les toilettes. C'est bien parce que je connais cette map par cœur. C'est fermé. Ah, bah là c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien, rien et rien. Très bien. Merci pour votre participation. Ici, alors ouais, mais il me faut l'acrobat, je ne sais pas où est. Je vais ouvrir ici, et nous avons rien. Ah oui, c'est vrai que c'est fermé là. Ok, par là du coup on peut passer maintenant. Eh ben on va fouiller tous les lockers. Ok, les autres ils attendent que je fasse tout le boulot quoi, c'est ça en gros. Ah voilà, on est content. On est content d'avoir des gens qui participent au jeu et qui m'aident. Non. Bon, on y va. On va ouvrir les lockers. Forcément, la nonne, elle va venir après moi si je suis le seul dehors. Allez. Bah, quelqu'un pourrait me dire où se trouve le local, le crowbar, là. Oui, 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 oui. Je sais pas où elle est. Attendez, je vais monter. Parce que j'ai débloqué la partie ici également, hein. N'oublions pas. Oh oui, ici, il faudra faire le sacrifice. Alors, bah, on a rien. Donc, je vais ouvrir là. Bim. Et ça fait bim bam boum. Oh non, oh, on retombe là. C'est pas grave.
Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien du tout. J'aimerais vraiment... Là, c'est fermé, hein. J'aimerais vraiment trouver l'acrobat pour pouvoir avancer, aller aux toilettes, aux égouts. Peut-être ici. Peut-être par là, j'ai mal regardé, parce que regardez, là, nous avons peut-être des objets. Là, c'est la pièce où ça crée... Ah! J'ai besoin du coffre, de la clé. La clé du coffre. Là, y a rien. C'est quoi? C'est quoi? Elle me fait du bruit bizarre. Là, y a rien. Là, y a rien. Là, y a le câble, on s'en fiche. Là, c'est les tiroirs. Ok, bon bah y'a plus rien en haut, hein, je pense avoir fait le tour. Je vais quand même aller revoir, vite fait. Là y'a... Ah, rope. J'ai besoin de ciseaux, d'accord. Trouvons les ciseaux, je sais plus. Ah, oh, y'a des poissons, y'a des cochons. Oh, on dirait trop le cochon de Mr. Meat. C'est étonnant. Très bien. Eh bien écoutez, je n'ai pas trouvé l'acrobat, donc, eh bien fouillons en bas. Pendant qu'Evil Nun n'y est pas... Je vais repasser par là. Ce qui m'intrigue, c'est que l'autre fois, l'acrobat était ici par terre. Et là, elle n'est plus là. Donc, quoi ce bruit? Ah, quelqu'un s'est fait frapper. Très bien. Paix à ton âme. Est-ce que j'ai mal regardé dans les toilettes du coup? Non. Non, il n'y a rien du tout. Est-ce que j'ai mal regardé dans ces toilettes là? Non, il n'y a rien du tout. Ah non. Je ne sais pas où sont les objets. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'objets là pour l'instant. Par là. Ah, j'ai pas fouillé là. Hop, y a rien. Et y a rien. Dans la salle de classe, j'ai vraiment rien vu. Ok, y a rien. Dans cette salle de classe, on n'a rien vu non plus. Par là, on a été. Donc, on va plutôt privilégier par là. Bon, bah, du coup, il faut retourner là où elle est. Ah, on est content, hein. On est ravis. On va danser sur la clairière. Oh, elle est là. Elle me fait flipper. Elle m'a vu ou pas? Pourquoi il y a la musique? On va se calmer, ma mère, hein. Oh, oh. Doucement. Hop. Pas venu ici pour me faire frapper. Ok, c'est bon, on lui a échappé. Mais il manque quand même pas mal d'objets, hein. Franchement, je sais pas où ils sont. J'ai beau fouiller partout, Ah! Oh non! J'ai fait où dans le feu? J'ai oué. Oué. Oh, elle est là. Ah, mais du coup, elle bouge plus? D'accord. Ok, bon, bah, je m'en vais, hein. Salut, bye bye. Très bien. Écoutez, si elle a décidé de faire la grève, eh bien, elle fait la grève. Je n'ai pas la master key. Par là. Y a rien. Mais attendez, ils sont où, les objets? C'est pas possible. J'ai fouillé partout. D'habitude, c'est soit là, soit dehors. Là, y a rien nulle part. J'ai pourtant regardé dans les lockers. Et puis de toute façon, le pied de biche, je le vois mal rentrer dans un locker. Monsieur le pied de biche! Je suis sûr que c'est vous que je dois trouver. Bon bah écoutez, il reste 5 secondes. J'ai trouvé aucun objet. Je suis dégoûté. Allez, on fait play. Et puis bah cette fois, j'ai vraiment envie d'être la nonne. Donc je refais player et j'espère que... voilà, je vais avoir une partie où je serai la nonne. Alors j'ai pas encore été la nonne, mais j'ai trouvé une nouvelle map. Elle est très sympa. On est dans la nature. Je ne connais pas cet environnement. On dirait la forêt, un peu le camping. Il y a une grange là-bas. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Il y a la nonne qui est là-bas. Qu'est-ce qu'il faut que... Oh, c'est une grange. Bonjour, bonjour. On dirait un roi. Sympathique. Oh, pourquoi il y a la... Ah, c'est la bonne nonne qui dort. D'accord. Ok. Ah, il y a la bonne nonne qui dort, qui fait dodo. Pendant que nous, on essaye de... D'accord, là, il faut une planche. Ok, ça a été mis. Safety. Mon avis, ça sert à rien, hein, parce que tout le monde a déjà tout fait. Mais bon, regardez, on va là-bas. Tout le monde va là-bas. Donc, est-ce qu'on va s'en aller? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a trouvé la master key. Ok, bon bah suivons le roi. Suivons le roi, il a l'air de s'y connaître. C'est la clé de la grille. Ok, puis on fera une autre partie après. Oui, allez, déverrouille-nous la grille. Et puis on peut partir. Merci le roi, vous êtes bien bon, monsieur seigneur. Bah voilà. On a gagné, non? Youhou, on avait un point. Bah ça c'est bien, bah oui. Allez, partie suivante. Ça y est, après plein de tentatives, j'ai enfin réussi à être la nonounette. Ça ne marche toujours pas à la manette, je crois. Je suis dans une partie dans la forêt en plus. C'est la manche dans la forêt. Donc, pour avancer, il faut faire ça. Et pour frapper, comment je frappe? Faut que je m'approche de quelqu'un? Attendez. Regardez, c'est moi la nonne. Oui. Regardez, c'est moi la nonne. Oh, comme elle est mimi. Regardez, elle a l'air un peu timide. Oh, comme elle est mimi.
Bon, bah écoutez, c'est la nonne, c'est moi. Très bien, on y va. Parce que moi, je fais des petits plans comme ça rapprochés, mais n'oublions pas qu'il faut que j'empêche les gens de sortir. Donc je pense que pour les frapper, il faut que je m'approche d'eux. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Venez ici. Ah. Ah, est-ce que je l'ai eu? Oui, je l'ai eu. En fait, il faut juste... Ok. Il faut juste que je m'approche de lui et que je le frappe. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est parti. Approchons-nous des gens et frappons-les. Ah, voilà, voilà. Bonjour. Youhou. Non, mais ils sont pas déjà partis quand même. Ah, ils sont dans les arbres. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font là? Coucou. La nonne va venir vous chasser. Allez, on y va. Allez, grimpe, nanounette. Montre que tu sais le faire. Mais elle peut pas grimper. Ah, il y a quelqu'un ici. Bonjour. Yala. Voilà. Tiens. Voilà. J'ai réussi à grimper à l'arbre. Hein? C'est qui les plus malines, là? Youhou, venez ici. Oh, elle s'éparpille. Bon, allez. Toi, ton compte est bon. Coucou. Et bim. Voilà. Ça t'apprendra. Très bien. Les autres sont là-bas. Youhou, les gens. Je suis la nonne, je viens vous frapper. Youhou. Allez, grimpe ici. Non mais je vous vois grimper. Je peux grimper hein, moi aussi. Allez nonne. Oui. Youhou. Tiens toi. Allez viens. Viens là. Allez. Oui. Hop, ça c'est fait. Toi maintenant. Allez. Allez. Viens là. Viens ici. Viens ici tout de suite. Ah, dis Siri, stop. J'ai mon Siri qui se déclenche tout seul, on sait pas pourquoi. Allez. Mais pourquoi tu veux pas venir? Voilà. Bien. Et bim. Et où? Elle a fait où? À ton tour, ma petite. Yala. Viens ici. Et oui. Attention. Oh. Oh. Allez, c'est bon. Je vais tous les avoir. En même temps, vous faites pas le jeu, hein. Allez, reste 4 minutes 30. C'est parti, on va tous les frapper. Mais je vous vois en haut de l'arbre. Je vous vois. Et je peux monter, hein. Allez. Allez, la nonne, monte. Oui. Allez, la nonne, tu peux le faire. Allez, la nonne. Allez, voilà. Ça, c'est fait. À ton tour. Youhou. Voilà. Toi, c'est bon. Ton compte est bon. Merci. Youhou, où sont les autres? Coucou, Kiki bébé. La nonne arrive. Oh, t'es tombé, Kiki bébé. Tu vas te faire frapper, Kiki bébé. Allez, bonjour. Au revoir. Et voilà. Ouh. Très bien. Oh, elles ont été sur l'autre arbre. Je vais avoir toutes vos vies. Oh, c'est parti. Bonjour. Ça va, vous? Vous vous amusez bien en haut, là? Allez, hop. Toi, t'es faite. Comme ceci. C'est bon. Oh. Est-ce que je vais tous les avoir? C'est parti. Et je l'ai eu. Ouh. Et bim. Oui, j'ai eu tout le monde. Je suis la pire nonne psychopathe. Bon, bien écoutez, il est super sympa comme jeu. Vraiment, on peut vraiment avoir différents lieux. On peut jouer la nonne. On peut pouvoir prendre des objets, combiner, jouer ensemble. C'est cool. Et bien, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse ce jeu avec des abonnés, avec Victor, avec PinkSwan. Dites-le moi dans les commentaires. Bien sûr, n'oubliez pas de laisser un max de pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et partagez cette vidéo à au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.